Bonjour à tous, c'est le fan de cloche 71. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo. Donc pour vous remercier pour les 50 abonnés. Et oui, parce que ma chaîne sur les cloches a atteint 50 abonnés peut-être hier, je sais pas. Donc j'en ai pile poil 50. Objectif battu, car à chaque fois je me fixe un objectif. Quand j'atteins un nombre, par exemple, quand j'ai atteint 40 abonnés, je me donne l'objectif d'en avoir un 50. Donc là, je vais me donner pour objectif 60. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose. Donc, c'est négatif, mais bon. Aujourd'hui, je me suis rendu à la cathédrale Saint-Vincent, que j'ai filmé en train de sonner pour la messe de 18h15. Et donc, comment? Donc c'est certaines cloches qui doivent sonner, et là on est en temps de Pâques, et donc Christophe Lagrange, le prêtre, m'a dit, et j'ai retenu l'ordonnance par cœur, pour le temps de Pâques c'est les 5 cloches, tout comme à Saint-Pierre c'est les 4 cloches. Donc à Saint-Vincent ça devait être les 5 cloches, et le sacristain évidemment ne sait pas faire, ou alors fait ce qu'il veut, et il a lancé les cloches 2, 3 et 5. Voilà, donc encore un truc. De plus, les systèmes linéaires marchent de moins en moins bien, car ça commence à déconner, quoi. Avant, quand j'ai commencé à m'intéresser aux cloches, j'entendais beaucoup la cathédrale Saint-Vincent le dimanche ou le samedi, en hiver, ou les samedis toute l'année. Et la cloche 2 sonnait très bien. La 3, c'était plus ou moins bien, mais bon, ça allait. La 1, elle sonne, ça n'a pas changé, elle sonne des deux côtés. Et après, elle sonne que d'un côté au bout de d'un moment. La cloche 4, elle sonnait très mal. Elle s'arrêtait, elle redémarrait. Maintenant, elle sonne très bien. Et la 5, elle sonnait bien avant, très bien. Jusqu'au moment où elle tombait tout le temps en panne à cause du système. Et du coup, le campaniste est passé. Donc, elle sonne, mais elle sonne moins bien. Un peu, elle sonne que d'un côté où elle boite. Quant à la cloche 2, jusqu'à là, elle sonnait très bien, mais là, maintenant, depuis jeudi saint, il a dû avoir un problème dans le mécanisme. Elle fait comme la cloche 5, elle sonne que d'un côté, elle boite, elle sonne des deux côtés un petit peu, mais maintenant, elle sonne que d'un côté. Et vu que la cloche 3 fait pareil depuis longtemps, qu'elle sonne que d'un côté, puis des deux, ce qui est un petit peu mieux que la cloche 2, finalement, la 5, c'est pareil. Bah du coup, des fois, les trois, quand c'est les cloches 2, 3 et 5, elles sonnent toutes les deux que toutes les trois que d'un côté, puis du coup, donc ça, c'est comme si ça s'arrêtait, les cloches. C'est un peu pas comme si ça s'arrêtait, mais c'est à moins, ça sonne à moitié. Dans le plénum pour le jeudi saint, on y remarque. Donc je vais vous passer des extraits avec les mêmes sonneries, hein. Donc je vais commencer par les cloches 2, 3 et 5. Donc les deux fois la même sonnerie d'un autre jour différent, d'un jour différent, et vous allez voir la différence quand elles sonnent bien ou pas les cloches. Ça se remarque avec la cloche 2 par exemple. Et après je vais faire le plénum. Donc regardez ces extraits de vidéo et vous allez voir. Thank you.
Donc voilà, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai prévenu justement le prêtre de ce problème. Donc, quelle est la solution? Donc, soit, à mon avis, soit le campaniste pourrait repasser, mais voilà, il est passé quand même en décembre dernier. Il pourrait repasser et régler au moins le moteur de la cloche 2, car la sonnerie est vraiment moche quand la cloche 2, elle sonne mal, de plus que les autres sonnent assez bien, on va dire. La une, c'est mauvais au bout de 2 ou 3 minutes. Donc voilà. Donc soit on fait ça, ce qui pourrait être possible, ou alors faut faire un grand pas, il faudrait retourner au système rotatif, comme à Saint-Pierre ou partout ailleurs. Il faudrait qu'il y ait des gens qui se rendent dans le clocher, des professionnels. D'ailleurs, j'ai demandé au prêtre pour y assister, y filmer, y mettre sur YouTube, quand ça arrivera, donc ça se fera. Donc ils vont sans doute décrocher les cloches et... Donc ils vont enlever les systèmes de passe, les systèmes linéaires, à électroaimant, tout ça, et ça sera remplacé par une roue sur chaque cloche, donc. Donc remplacé par une roue avec une chaîne et un moteur, comme à Saint-Pierre, quoi. Et il y a longtemps, il y avait déjà des mécanismes comme ça, mais ils ont voulu, pour que ça se... ils ont voulu accepter d'avoir un système linéaire sur les 5 cloches, car ce qui est bien, c'est que c'est silencieux, mais du coup, au bout d'un moment, ça se détériore, et voilà ce que ça fait. Vous avez vu dans les vidéos, avant là, que le campaniste passe, la cloche 4 sonnait horriblement mal, elle s'arrêtait, elle redémarrait, des fois elle se mettait en sécurité, tout comme la cloche 5. Après, le campaniste est passé. Donc toutes les cloches, à part la une, sonnaient très bien. La une sonnait très bien, sauf qu'elle continue à sonner que d'un côté au bout d'un moment. Et la cloche 2 sonnait comme avant, elle sonnait bien. Et au fil du temps, ça se détériorait, j'ai remarqué, parce que j'enregistre souvent les cloches ou je les écoute toutes les semaines. Au fil du temps, ça se détériorait le système de la cloche 2. Avant que le campaniste passe, la cloche 2... Elle sonnait des deux côtés tout le temps. Elle sonnait très très bien. Ensuite, depuis que le campaniste est passé, elle sonnait des deux côtés pendant toute la sonnerie. Mais une ou deux fois, il y avait des ratés, on appelle ça. Elle sonnait que d'un côté. Elle recommençait à sonner des deux côtés. Donc là encore, ça allait. Et là, depuis le jeudi saint, il y a eu un problème. Elle sonne que d'un côté, voilà. Que d'un côté, comme la cloche 5 et la cloche 3. La 3, elle fait pareil, elle sonne des deux côtés, puis que d'un côté, c'est un tout petit peu mieux que la cloche 2, tellement ça s'est détérioré, la 2. Voilà. Mais voilà, avant je me disais, on pourrait très bien rester avec les systèmes linéaires, mais là je commence à me dire qu'il faudrait passer au moteur rotatif. Christophe Lagrange me le dit. Système linéaire, donc c'est bien, mais voilà ce qui arrive au bout d'un moment. Encore, les cloches ne se mettent plus en sécurité, mais voilà, elles sonnent mal que d'un côté. Ce qui est bizarre, voilà, c'est qu'avant, c'était la cloche 4 qui sonnait la plus mal, et ben maintenant, c'est celle qui sonne la mieux, la cloche 4, le sol dièse. Elle sonne des deux côtés quasiment tout le temps, mais toutes les autres sonnent très mal. Ou mal, voire très mal. La une sonne des deux côtés correctement. C'est la seule qui est en rétrograde, mais au bout de 2 ou 3 minutes, elle sonne que d'un côté. Donc on se retrouve avec les 5 cloches de volée qui sonnent que d'un côté, sauf la 4. La 4, ça va encore. Donc voilà, il va falloir remplacer un jour ou l'autre par ces systèmes, par des systèmes normaux, quoi. Donc la mairie, ça serait bien d'y penser, parce que quand les cloches sonnent mal comme ça, elles sont vouées à périr, parce que Christophe Lagrange, il m'a dit, et d'autres aussi, quand une cloche sonne que d'un côté, elle sonne plus fort, donc, et elle a le risque de... ça diminue sa durée de vie. Donc faites quelque chose là, franchement, parce que j'aimerais bien que ces cloches durent. Et puis elles montrent pas toutes leurs valeurs en sonnant que d'un côté ou je sais pas quoi.
Donc vous voyez les différences sur les vidéos quand même. Donc voilà, c'était pour merci pour les 50 abonnés et réfléchissez à cette histoire de système linéaire quand même. Et puis le sacristain, faudrait qu'il lance les bonnes cloches au bout d'un moment. En car je lui donc je lui dis au cas où s'il sait pas après voilà, c'est Christophe Lagrange qui me l'a dit, hein. En carême, c'est les cloches 2, 3 et 4. En temps ordinaire, je ne sais pas. À mon avis, ce serait pas mal de faire les cloches 2 et 3 ou 2, 3 et 5. Après, je ne sais pas si c'est ça. Ça serait bien que ce soit ça. Et en temps de Pâques ou de Noël, c'est toutes les cloches. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 cloches de volée. Pas les cloches 2, 3 et 5 en temps de Pâques quand même. Donc voilà. Je vous ai dit ce que je savais ou ce que je pensais. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!